Marcelo Martins, l'attaquant buteur, il est quasiment sans sélection, hein. C'est une superstar en Bolivie, voilà. C'est un joueur très connu, donc on reparlera de lui pendant le match. Un peu vieillissant, mais il est toujours là. Et on a le droit de dire vieillissant, 35 ans. On s'attend donc à un beau duel avec Kalidou Koulibaly. Imaginez que la Coupe du Monde soit bonne en portant beaucoup ce maillot, je pense qu'il va bien se vendre. Ouais. Si les résultats sont là, c'est le début du match. Voilà. Qui est aujourd'hui sur le banc. Je crois qu'il va falloir travailler davantage les coups de pied arrêtés. Et pour cette rencontre, j'ai vu que c'est le jeune joueur Pape Makhtar Sarr qui est. Allez, première frappe, le but. Allez, but. Voilà, et le, voilà but le premier but. Il a fallu Boulaïdja qui montre la voie à l'équipe nationale du Sénégal. Il a fallu attendre le début du match. Mais ça valait le coup d'attendre. 3 minutes pour le tir est dévié. Mais ça fait but quand même. Bravo. 1-0 pour Bravo. Lyon. Ouais. C'est l'entame dont le on pouvait rêver. Timing, le même timing contre l'Egypte au stade Abdoulaye Wade. C'était à la 4e minute qu'il avait aussi marqué le but. Regardez, c'est l'entame dont on pouvait rêver, voilà, en exploitant le moindre ballon d'attaque. Contrôle, frappe. Voilà qui remonte sur la cuisse. 10e sur 10. Pas de deuxième participation en le restaurant à la Coupe du Monde, on l'a dit. Sorte d'un dernier match, perdu 4-0 contre le Brésil. Alors bon, tout le monde perd contre le Brésil en ce moment, presque. Mais bon, attention, dégagement raté. Allez, peut-être. Oh, la grosse occasion pour Pape Makhtar Sarr. Oh, c'était cadeau. Et il n'a pas réussi à en profiter, dommage. Dommage vraiment, parce que là, quand même, c'était une offrande, un caviar qu'il a reçu tout simplement de l'adversaire. Il aurait dû s'appliquer. Le jeune joueur de général, l'ancien joueur de génération foot aujourd'hui qui est venu au Tottenham. C'est difficile de comparer un attaquant avec un gardien ou un défenseur, mais c'est quand même le joueur. Exactement. Le joueur star. Exactement. C'est exactement pareil dans tous les pays du monde quand on est une star, une superstar. Ouais. On l'adule. Être star et avoir la tête sur les épaules aussi, c'est pas facile. Non, c'est pas le cas de toutes les stars non plus. Ouais. Heureusement. Attention, oh, cette frappe, elle était belle. Oh, la tentative de Pate 6, décidément. Il n'a pas froid aux yeux, le nouveau. Et la parade au dernier moment de Carlos Lampe. Voilà. Donc, Alicis a vu juste. Ce joueur aurait dû faire partie de cette sélection depuis très longtemps. Beaucoup de gens disaient bien de lui. Donc, c'est extrêmement important. Regardez le ralenti. Frappe lourde, voilà, le gardien était obligé tout simplement d'envoyer la balle au corner. Accroché, peut donner à Boulaïdia quand même, ça c'est bien fait en retrait, 6 pour trouver Nam. Allez, encore ce mouvement sur la droite, c'est bien, avec Crépin Diatta, oh, il prend sa chance avec un angle un petit peu fermé, mais il a tenté quand même, c'est touché, il y aura un corner. Très bien joué de la part de Crépin Diatta, joueur de l'AS Monaco, qui a raté la compétition, qui a raté la CAN à cause d'une longue blessure. Une balle sur le côté encore pour essayer de déclencher une bonne attaque. Ils sont plus nombreux, les joueurs de la Verde, qui ont envie de faire quelque chose, bien sûr. Ils restent sur 4 défaites de suite, donc pour eux, c'est difficile en ce moment. Mais le Sénégal récupère la balle, le décalage pour Crépin Diatta. Ah, le ballon capté par le gardien, il n'a pas pu bien le jouer. Lancé par Sadio Mané, Crépin Diatta. Si jamais vous l'avez raté, c'est dommage de l'avoir raté, mais c'était vraiment au tout début du match. Fallait pas rater le début de la partie. Oh, attention à ce ballon récupéré par la Bolivie. Une mauvaise relance, le tir est trop croisé, c'est manqué. Alors attention aux relances. Là, très, va falloir très attention. Répéter ça. Je l'ai demandé tout à l'heure. 48e, la mémoire à Abdoulaye. Voilà, j'étais dans les gradins, j'étais là. Donc, attention à ce tir. Alfred Gomis, les mains fermes, l'angle était fermé, mais ça serait quelque chose d'important, même s'il devait perdre le match, il préférerait perdre 2-1 que 1-0. Effectivement. Voilà. Sauf que le Sénégal n'entend pas du tout de cette oreille. Les Lions sont à l'attaque avec ce service. Oh, ça, c'est contré une deuxième fois, dommage. Ça va sortir avec la belle passe. Ouais, on est là. En Afrique. On est là, on est voilà le canal. On est là pour vous faire plaisir. Voilà. Mais enfin, c'est pas nous, c'est surtout les joueurs qui vous font plaisir. Effectivement. Et un deuxième but ferait encore plus plaisir. Très bien, allez, c'est parti. Le décalage. Et la frappe. Oh, la parade du gardien. Énorme opportunité pour Sadio Mané. C'est très bien exécuté. Et bravo à Carlos Lampe, le gardien de but de la Bolivie. Très belle détente. Très belle détente de Carlos Lampe. Belle frappe, belle combinaison entre Sadio Mané et tout simplement Pape Makhtar Sarr. C'est extrêmement. Qui est pas mal, un nouveau venu aussi qui est là. Peut-être qu'il va le garder pour le match contre l'Iran. Ah, c'est bien donné ça. Allez, allez, le petit dribble s'est passé. Oh, il y a peut-être un contact et une faute. Penalty. Penalty pour le Sénégal. C'est normal. Là, il y a eu une faute du gardien qui est sorti en retard, mais qui
ne l'est pas en retard sur un joueur comme Sadio Mané qui a transpercé encore une fois une défense adverse. Penalty pour le Sénégal à 5 minutes de la mi-temps. Ah oui, très bien joué par Sadio Mané, le fofolé de cette équipe nationale du Sénégal, la star du football africain du moment qui a encore fait du Sadio Mané. C'est extrêmement important. Regardez cette passe lumineuse qui s'invite dans la défense, il n'a peur de rien. Passe entre deux défenseurs, voilà. Déjà, il a retenu par le maillot avant que le gardien ne mette tout simplement son pied. Récupération de balle et la super belle récupération de balle. Pape Gueye. Allez, Sadio, il s'élance. Et il marque, bien sûr. Comment peut-il en être autrement? Sadio Mané, toujours aussi précis, serein dans ce genre d'exercice. Il est fort, Sadio Mané, et il permet au Sénégal de mener 2-0 juste avant la mi-temps. Très bien joué par Sadio Mané, un contre-pied parfait. Je crois que ce gardien n'a pas bien étudié les coups de pied arrêtés par Sadio Mané, parce que généralement il met tout le temps sur le côté droit. Et là, c'est bien fait pour lui, c'est extrêmement important, surtout il traverse une mauvaise passe plus ou moins au niveau du Bayern de Munich, ça pourrait lui faire du bien. Et dans l'expression de sa joie, il marque un petit peu moins au club, ouais, ces derniers matchs, là, c'est pour ça. Et on le voit dans l'expression de sa joie. Le public, il scande son nom, lui aussi, qui montre voilà, toute sa fierté pour son pays. Sadio Mané qui vient d'inscrire son 34e but en sélection. Il est le recordman de buts en sélection devant Henri Camara. On salue aussi. Très bien. Voilà, aussi. Très grand joueur. Alors là, c'était le pénalty en toute sérénité. Il l'a tiré parfaitement. Et 2-0, on va entrer bientôt dans la seule minute de temps additionnel qui va être prévu par les arbitres. Et le Sénégal repart à l'attaque. Attention. Avec le contrôle raté de Mané, mais il récupère la balle. Sadio Mané se retourne dans l'autre sens. Il la pousse un peu loin, réussit quand même à centrer. Il va peut-être pas réussir à en développer une dernière, car l'arbitre va mettre un terme à cette première période sur le score de 2-0 pour les Lions. C'est bien mérité. Attention, ça peut être dangereux. Hein, parce que pas mal, ça fait du bien parce que le stat est... C'est la dangerosité pour les yeux. On s'en rend pas compte, mais voilà. Il n'y a rien, ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Et d'ailleurs, le speaker est un peu sévère parce que des sifflets, on n'en a pas entendu vraiment. Hein. Ouais. Vous avez entendu siffler, vous? Peut-être que ça pourrait changer l'autre côté pour l'arbitre, peut-être, mais je ne crois pas que ça soit. J'en ai déjà entendu très grave, plus, des plus importants que ça. Hein. Ouais. Il y a des endroits, en Turquie par exemple, où on aime bien siffler, siffler comme ça. Les sifflets, les fumigènes. Oui. Le tir au-dessus. C'était pas formidablement construit et ils ont pris leur chance, les Boliviens. On va attendre qu'il entre. D'abord, le ballon est en jeu pour la Bolivie. Ah, ils essayent de combiner, c'est bien fait pour la Bolivie. Est-ce qu'ils vont trouver une solution de tir? Et c'était bien construit. C'est la première fois quasiment du match qu'ils se trouvent comme ça collectivement. Ils s'en sortent bien, pas de bêtises. Allez, Sadio. Bamba Dieng. C'est une belle opportunité. Bamba Dieng a pu donner comme il faut sur le côté. Sek est là. Est-ce qu'il va jouer pour lui? Le ballon arrive de l'autre côté. Ça va franchir la ligne. Ça a été touché ou pas, ça? Oui, mais un corner. Ouais. Je crois que là, quand il a un petit peu hésité, non, sur ce qu'il voulait faire. Il a hésité. C'est ça qui a fait enrayer cette occasion-là. Je crois qu'il aurait dû être beaucoup plus altruiste. C'est une nouvelle génération de coachs en Afrique. À l'image de Ibenge de la RD Congo. Oh, c'est passé. Sadio Mané est passé. Et comment l'action va se développer maintenant? Il choisit de donner à Bamba Dieng. Il va vite. Bamba Dieng, on s'est contré la grosse occasion en fin de match pour mettre le troisième. Sauvetage de justesse du défenseur bolivien. Belle occasion, très belle occasion de Sadio Mané. Regardez l'effort de Sadio Mané. Il est face à son défenseur. Contrôle, il lève la tête. Il s'aperçoit déjà que Bamba est parti dans un trou. Il lui donne la balle, le pied droit. Moi, je croyais que c'était la balle était au fond parce qu'il était vraiment en pole position. Le sauveur s'appelle José Sagredo. C'est lui qui a au dernier moment mis le pied en opposition sur ce tir de Bamba Dieng. Évidemment, Bamba Dieng qui joue, ça lui fait du bien. S'il marquait, ça serait encore mieux. Bien. Pour lui, et peut-être ça pourrait changer le comportement de Igor Tudor vis-à-vis de cet attaquant. C'est bien l'1-2, Gana Gueye, ça passe, Sadio Mané dans la surface. Oh, il n'a pas pu du bout du pied s'emmener le ballon et ajuster le gardien.